Alors, tu vas faire quoi? Tu vas manger, mon ami. Bah oui, j'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toi, t'es comment? T'es pas trop bien, hein? Pourquoi t'es pas trop bien? T'es où? T'es là-bas. Non, non, mon petit. Non, 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 non. Tu vas pas me prendre juste cet acier, mon petit. Alors, de l'acier, j'en ai partout ici. J'en ai partout ici, que je disais. Donc, j'en ai là-bas, j'en ai ici. Voilà. J'en ai pas des tonnes et des tonnes non plus. Ici. Et ici. Viens par ici, mec. Hein? 60. Voilà, comme ça. Au moins. Ça, c'est parce qu'il y a. Il y a ça, quoi. C'est bêtement. La bouffe, 17 plats. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 3 degrés. Tu tiens 7 jours. Tu tiens 4 jours et demi. Risque de démence mineure. Ça y est, malheureusement, il a fini sa catharsis. Et là, il est parti pour redescendre, donc à 30 et 32. Est-ce que tu peux aller un petit peu dehors? Est-ce que tu as besoin d'aller à l'extérieur? Dortoir horrible. On a un problème de dortoir. Horrible. Il est très très sale. La seule personne qui peut nettoyer, si je ne me trompe, là c'est horrible, là c'est médiocre dehors. Horrible, médiocre. Tu vas aller dehors, mec. Là, tu me fais quoi? Tu joues au fer à cheval, tu vas aller dehors. Faut que je remette Grizzly au nettoyage de la pièce. Voilà. Et parfait, ça va. Ok, Grizzly, tu poses, stop, tu me fais la porte, et puis tu viens nettoyer. Alors, comment est la salle? Descente. Légèrement sale, on peut encore nettoyer un petit peu. Il y a deux endroits là, voilà. Priorise, nettoie et priorise, nettoie, mon ami. Voilà. Et donc, on a une beauté là pour le moment qui n'est que de 0, vous voyez, 0 moins 0,1 et 0. Il faudrait monter ça un petit peu plus haut, de préférence beaucoup plus haut. Et d'ailleurs ici, lui, il aurait besoin de beaucoup plus aussi. Hein. Il a moins 0,1. Grizzly, nettoie-moi ça aussi. Bah, tu ne peux pas nettoyer là, malheureusement. C'est pas grave. Alors, on a 0 points, hein, donc au moins ce n'est plus horrible. C'est déjà ça. On y arrive hein, petit à petit, mais la bouffe, la bouffe. 5 jours. 3, non, ils en ont besoin de 2 par jour, donc 6. J'ai même plus 3 jours. J'ai 3 jours de bouffe, quoi. J'ai 3 jours de bouffe. C'est affreux. Et ça vient de péter. C'est pas grave, on va pas le réparer. On ne va pas le réparer. Pour le moment, ça sert à rien. J'ai assez de jus. On le réparera s'il y a besoin. Donc pour qu'il soit réparé, il faudrait que je clique ici. Achever la reconstruction. Non, c'est la reconstruction.
Non, normalement il va réparer de toute façon. Bon, c'est pas grave, même si ils peuvent quand même réparer. C'est pas 32 et. Ben, on est bon. Par contre, je peux agrandir ça. Agrandir ma zone. Voilà. Voilà. Bien que c'est un petit peu idiot. Il vaut mieux pas agrandir là. Est-ce que toi tu acceptes les gravats? Ouais, normalement tu acceptes les morceaux, donc tu acceptes dans tous les cas les gravats. Par contre, Grizzly, je vais que tu me fasses quoi, mon ami? Alors, la bouffe, ça monte comment? Mais à 21%, les enfants. On va mourir. On va mourir de faim. 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 Si je pouvais avoir une petite inspiration pour mon ami le chauve, là, ce serait sympa. Donc, remplace un composant. Oui, bah, remplace, mon gars. Remplace. Tu fais un tour, ouais, fais un tour, mec, merci. Intérieur 50, heureusement qu'on a une porte. Hein. Et fil numéro 14 ici, à cause de ça. Prise de démence, ok, j'en ai reparti. Alors ici, j'ai besoin de faire une copie, qu'on va mettre là. Chaleur pour qui? Ici, un coup de chaleur. Sans doute. Ouais, pour libeller. Elle n'est pas finie, l'éclipse. Toujours dans l'éclipse. Ok. Combien il fait dehors là? 50 degrés toujours. Ben dis donc. Ouais, je vais pas chipoter pour gagner 10, hein, pour gagner une ration ou deux, hein, ça n'en vaut absolument pas la peine. Hein. Je suis dans le caca, je suis dans le caca. Hein. Allez, Jean. Numbers. Vitesse 112, 113, c'est toujours la même chose. Tu vas où maintenant, toi? T'as faim? Ben oui, je peux pas te laisser faire autrement que de manger, mon ami. Allez. Risque de. Mais oui, c'est normal. Hein. Ok. Papote un peu avec elle. Ah, tu t'es fait insulter, je parie. Non, pas insulter, non. Libellule s'est moqué de l'honneur, du honneur de la bouture, le chauve. Le chauve, ok. Bon, enfin, en tout cas, au moins, ils se sentent bien ensemble. Mais ça va encore descendre, hein. Je suis toujours à 46. Oh, merci, mon ami. Merci d'avoir vu ça. Heureusement que j'avais fait une double. Mais bon. Libellule. On va un petit peu modifier ton travail, Libellule, pour ne plus avoir ce problème de toi. Et donc, ma petite Libellule, tu vas avoir
dans construction. Donc on a du minage pour le moment qui est à 2, si je ne me trompe point. Voilà. Et donc libellule, tu vas faire construire des toits. Tu vas passer en 2. Ça veut dire que tu mines. Si tu mines et qu'il y a un trou qu'il faut faire un toit, hop, tu vas faire le toit et puis tu reprends le minage. Ça, c'est hyper pratique, n'est-ce pas? On vérifie quand même qu'on a bien une zone de couverture. Voilà. Pas là-bas, parce que sinon il va aller m'en faire une. Je ne veux pas que tu fasses ça. Voilà, donc vite, tu vas me faire du toit. Non? Ah ben non, le toit est... On est à l'intérieur, il n'y a pas de problème. On est toujours à l'intérieur. Parti dormir un peu. Extérieur, la température diminue un peu, mais on est pendant la nuit, hein. Alors, on peut pas dire vraiment que j'essaie pas d'optimiser, hein. On n'est pas loin, quoi. Alors là, je perds un petit peu de beauté dans la pièce médiocre. Oui, on va. Après, tu vas me semer hein, tout ça après. Au bout d'un moment, ça disparaît, bien sûr. Ça disparaît plus vite avec le lisse qu'avec la rose, hein, mais. Et puis, il va falloir un peu nettoyer, Grizzly aussi. Pas trop. Continue à garder un moral suffisamment haut pour nos petits amis. Si Libellule, donne-moi une inspiration, s'il te plaît. Ça serait bien sympathique aussi. Est-ce que tu as besoin d'aller dehors, ma chérie? Non, tu es toujours bien. Alors. Oui, 67, on n'est pas pressé, 55. Le bois, vous en foutez, hein, voilà, 148, regardez, parce que le bois, lui, il tient hyper, taux de dégradation 1,5 par jour. Comme ils ont 100, 150, ça veut dire qu'ils ont 300 jours. 300 jours, ça fait un paquet de temps. Par contre, ceux-ci, bon, ben, ils ont que 70 et ils perdent un peu plus, ils perdent 2 par jour. Mais bon, on va les rentrer après. Comment ça s'est ouvert là comme un gros bêtard? Ah. Structure. Mur en métal. Ah. Gaspillage. Ok, j'ai deux partout, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai été creusé là. Ok, on est nouveau en moins 4 là. Allez, recherche, s'il vous plaît. Après, dès que j'ai mon truc, il me faudra encore quelques jours, hein, en plus. Et en plus, ça va quand même pas pousser aussi vite. La nourriture se fait rare, ben oui. Il en reste 13. Eh oui, et il m'en faut 2 jours, j'ai plus que 2 jours. 2 jours de bouffe. 2 jours de bouffe. 2 jours de bouffe. Je fais quoi moi? 2 jours de bouffe. Mais putain, Randy, random, merci quoi. Hein, c'est rien. Hmm.
Mais chaque fois que les portes s'ouvrent, hein, ferment, etc. Et aussi, il vaut mieux garder des portes comme ceci que de mettre des portes automatiques. Parce qu'elles ont plus de temps de se fermer. L'idéal, c'est de mettre une triple porte. C'est ce que je préfère normalement, mais bon. Mais il ne faut pas les mettre l'une dans l'autre. Hein, parce que le temps que celle-ci s'ouvre, l'autre reste toujours dans sa porte ici. Donc, ça ne sert plus à rien. Par contre, ici, ça aurait été bien d'avoir un truc, mais alors mon bidule là, il n'est plus au bon endroit. Par contre, j'aurais pu le mettre. Bon, pause. Qu'est-ce qui se passe? La nourriture, chasseur, médicaments. Oui, c'est juste un petit risque de démence mineur. Bah oui, t'es à. Oh là! Oh là! Oh là! Qu'est-ce qui passe, ménigre? Qu'est-ce qui passe? 32 normalement, c'est ça? Ouais. À 30. Mais tu vas remonter à 32. Ouais, je peux pas faire mieux. On est juste au-dessus de la seuil de crise majeure. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Alors, ta santé, ben. Addiction au wake-up. Alors, c'est le poumon de gauche. Il faudrait que je te remplace un poumon. Pourra faire ça plus tard. Wake up, sevrage, 77%. Bon, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Tu veux pas aller dehors, mon petit? T'as pas besoin d'aller dehors. C'est mieux d'aller dehors. Bien dehors. Si je peux le monter à 100%, ce serait mieux. Tu veux pas aller dormir. Si. Je vais te changer de ton. Je voudrais que tu restes un tout petit peu plus. Quelle heure il est là? Il est 11h. Encore un petit coup de rouge ici, tiens, mon petit. Comme ça, je voudrais que tu montes un petit peu plus haut. Voilà. Non, tu veux pas. Donc il est midi, ouais, c'est pour ça. Tant pis. Dors, tu ne perds, tu n'auras plus de démence. Alors pourquoi est-ce que tu as une démence qui remonte aussi forte et que tu n'es pas de nouveau à 30, tu vois? Pourquoi tu es si bas? Mais bon, il veut bien remonter, mais. Par contre, quand il dort, je ne crois pas que l'humeur change. Hein. Elle va rester à 27 tout le temps. Donc là, tant qu'il dort, ça on s'en fout un petit peu, hein, c'est rien y faire. On fait quand même notre possible, hein, mais au moins on n'a pas eu de boulimie. Hein. Stan, j'ai vu ça dans sa vidéo, il a eu de boulimie, lui, avec le chauve. Et il lui a bouffé je ne sais pas combien de rations, mais un bon paquet. Bon, d'un autre côté, il a eu quand même il a eu de la chance d'avoir. Mais il n'est pas sorti de l'auberge non plus, hein, lui. Enfin, il a bien joué en ouvrant son truc, ça, mais ça ne lui a rien rapporté, je trouve. C'est de la nourriture de cannibale, quoi. Bon, ici, on a fini. On a fini ceci. Donc, va falloir le nettoyer. Me dis pas que je veux. Ça a une tête de. Ouais, on verra bien. Ok, pendant que Jean dort, libellule, tu vas. Pas jouer, 94%, allez, on va te laisser aller jouer. Essaye de te monter, hein. Peut-être que tu auras un petit bout de chance, mais non. Hop, tu passes à 100%, ouais, allez, finissez-moi ça. Mais je sais pas si on tiendra. Hein. Bon. Écran de recherche, on va continuer les panneaux solaires. J'en reviens ici. Alors, j'ai posé le jeu. Réflexion maintenant. Alors, le truc qu'il y a, c'est que une fois que vous mettez un bac, vous ne pouvez plus le retirer. Donc, on a ici deux possibilités. Soit je fais ça au soleil,
mais je vais subir la température. Soit je mets une lampe solaire, mais à ce moment-là, ça me consomme beaucoup d'énergie. Et j'aurais pas assez d'énergie pour l'instant. On fait 1800 watts par jour. Enfin, ici, on voit qu'on fait du 1800 watts avec donc 1700 et 1800, donc on fait du 3000 watts. Mais l'ampoule me bouffe énormément. L'ampoule me bouffe énormément. Production, non, c'est dans mobilier. Donc la lampe horticale me bouffe. Je ne sais plus combien de watts. 2900 watts, hein, 3000 watts. Il faut dire 3000 watts. Et 70 watts par bac. Donc j'aurais 4. Je crois que si je veux faire une pièce complète, j'en ai pour plus de 4. Il me faut un truc comme ça. Voilà, uniquement pour faire une salle complète d'horticulture. Donc là, on a un stock 3313. Ça, c'est ce que j'ai ici. Non, là, j'ai du 600 watts. Là, j'ai 3313 en tout et pour tout avec les deux. Donc 2970, c'est 3000 watts. J'ai pas assez pour mettre une lampe. Je n'ai pas assez pour mettre une lampe. Donc on va. Bon, la température est plus qu'à 45. Et donc on a 80% de la vitesse normale. Donc, déjà en premier lieu, visite est parti. T'es parti démonter. Bah, tu vas me. Donc, démolir ça d'abord. Est-ce que j'ai plein? Ouais, j'en ai encore plein ici. Ok, donc je viens plutôt Grisdi. Tu vas venir plutôt récupérer ça. On va pas faire tout de suite le bac parce que sinon ils vont. Moi d'abord, on va récupérer tout ça. Okay, fais-moi tout ça. Ensuite, je voudrais que. Ah, il va falloir creuser. Qu'est-ce qu'elle fait, libellule, là? Alors, libellule, elle mange. Ouais, bah oui. Libellule, elle mange. Libellule, elle mange. Libellule, elle mange. 38. Bien tout 68 75, c'est bien. Libellule, tu es parti. Va démonter, va démonter. Vas-y, vas-y, ma bien. Vas-y, vas-y. Là, il me fait 6 degrés. Pas perdre les trucs ici, bien entendu. Hein. Maintenant, bassin. Il est quelle heure? 18 heures. Normalement, ça ne devrait pas bloquer. Maintenant, si jamais ça le fait, je veux pas bêtement me faire avoir. Donc, on va regarder là et là. Tac. Et tac. Donc, on va construire un bac pour le moment. Alors, ça consomme 100 aciers. Je ne les ai même pas. Par contre, ça va en faire ramener à notre chérie là-bas. On va faire autrement. De toute façon, 18 heures, ça va pousser pendant 2 heures, ça vaut peut-être pas la peine. Grizzly, tu vas me faire tout ça, toi. Voilà, j'ai besoin de métal.
je suis bien à l'intérieur. 36, ok. Une lampe. Alors, Grizzly, on va te replacer en moule. Est-ce que tu as quelque chose juste à côté de toi? Non, tu n'as rien à côté de toi. Ouais. Prends ça d'abord. Non, tu vas pas me faire l'établi, tu vas me faire ça, mec. Donc ça, on va faire comme ceci. Et je veux que tu me... Ouais, 20h c'est fini, donc de toute façon, on est coincé jusque demain. 9 plats. Aouh! 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 Bon. Et après, tu vas manger. Bon, pour le moment, j'ai pas laissé encore travailler un peu, mec, je suis désolé, mais tu vas vite. J'ai besoin de matériaux. Genre, tu vas manger. Toi, ouais. Je vais te faire hop, stop. Je veux que tu me fasses d'abord le transport. Et puis tu nettoieras. T'es une brave, ma petite Grizzly, t'es une brave. Dommage que t'es si prude. T'aurais pu faire l'amour avec mon copain Jean. Hein? Ça l'aurait bien aidé dans le moral. Ça l'aurait foutu un petit plus 20. T'es bien sympathique. Non, tu me finis aussi ça. Ah oui. On est comment là-dedans? Horrible parce que c'est sale.
mais elle est toujours pas sûre, elle n'a rien gagné. Elle est toujours très sale. Je vais d'abord nettoyer ma biche. Je suis désolé, ma belle, mais j'ai un beau 18 là-bas, j'ai du 16 et du 16 et du 9. Tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies et tu nettoies. Et puis c'est bien. Ok, maintenant nous sommes dans une pièce. Pourquoi elle est terne? Elle est terne. Dis-moi qu'il n'y avait pas de toit. Bon, ici, moins 7. Il est quelle heure? 3 h du mat. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Mais à 3 h du mat, tout le monde va penser à pouvoir travailler. Et donc, on va lancer. Mais on va mourir. On va quand même mourir. Je suis désolé, mais. Et j'en ai 300. Plus 330, ce sera pas assez, mais c'est déjà ça. Oui, donc je dois encore en faire un en plus. Un en plus. On va faire la mieux ici. On va en faire deux, comme ça on est sûr. Alors, 3 h du matin, je crois que ça démarre. T'es parti faire quoi, ma biche? Manger. Bah, tu vas pas manger tout de suite. On va mettre une base. La zone de la base, on va l'étendre jusque-là. Et la libellule, je veux que tu commences par me faire celui-ci. C'est parfait. Tu vas d'abord, ma chérie, planter ça. Est-ce que tu peux planter là-dedans? N'y a pas encore de jus. Ben, file-moi celui-ci aussi. Ok, tu peux commencer à semer. C'est principal. Et après, tu continueras. Il me reste 140, 150. Tu mangeras après, ma chérie. Je suis désolé, ma belle. Je déteste faire ça, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ok, Grizzly. Ici.
Il fait combien? 31, ça va, on est dans la température cette fois-ci. Alors, tu viens miner de métal. Toi, ma biche, tu vas manger ma ration. Oui, tu peux aller manger, il faut aller manger. Par contre, toi, tu vas me finir ça. Ensuite, elle est belle est là. Ouais, c'est dégueu maintenant, hein. Ça je me doute, mec, c'est dégueu. Donc, je voudrais que toi, tu viennes nettoyer, comme ça, le temps que l'autre vienne finir ça. Tu me feras okay. Toi, ma belle, tu viens ici, ma chérie. Pense que tu devrais avoir assez de un groupe de voyageurs. Passe dans les environs. Mais c'est magnifique. T'as des plats. T'as des plats. On n'a même rien à vendre, quoi. On n'a rien à vendre. Tu peux passer autant que tu veux, ou alors je vous bute. Mais je sais même pas comment je vais faire pour vous buter. Ils ont des armes. Pistolet, mitrailleur. Un couteau. En quoi ce couteau? En métal. Et toi, un pistolet. Et si je fais ça, Fort et Réor. C'est des mecs qui sont bien avec moi, quoi. C'est une relation, hein. Ils auraient pu au moins avoir un peu de. J'ai même pas le droit d'avoir de trucs avec eux, quoi. Merci Randy. Merci Randy. Donc, moi, je vous conseille de ne pas jouer Grandi Random quand vous jouez des cartes extrêmes comme ça. Vous prenez la classique, parce que la classique, elle aurait donné à bouffer, quoi. Là, j'en ai pour un bon bout de temps, hein. Dis-moi ça. Mur à 20%, mes pommes de terre sont à 30%. La première que j'avais faite, 30%. Voilà. Malheureusement, je pense pas qu'on va tenir le coup. Après 6 plats. Des manches majeures. Oh là, Jean, qu'est-ce qui passe, mes nignons? Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui passe? Oui. Piégé à l'intérieur. T'as que 4 de confort. Et ça va redescendre. Ok, viens. T'as faim, déjà. T'as non, ça je te laisse faire. Tu vas arriver à 100, comme ça, au moins avec 100, tu te prends des tonnes de joie, plus 10. Ce
ce qui fait pas de tort. Tu vas aller manger et après tu iras un petit peu dehors, je crois, mais bon. Alors, onde psychique. Chaque colombe a... Onde... Drone uniquement sur le mal. Hein. Donc, mon petit chauve, te voilà à zéro. Te voilà à zéro. Te voilà à zéro. Et je ne peux même pas t'anesthésier. Est-ce que je pourrais t'anesthésier? Ou une fois, mais donc pour t'anesthésier. Ajouter une tâche, anesthésier, pas d'herbe médicinale, mais oui, bien sûr, hein, bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Ah bon? Ben, je crois qu'on est foutu, hein, les enfants. Parce que là, mon copain, j'ai eu beau faire ce que je pouvais pour lui. Là. Devoir te foutre en tôle. Je vais devoir te mettre là-bas parce que tu vas me faire une connerie. Je sais pas laquelle. Je sais pas laquelle. Je ne sais pas ce que tu vas me faire. Bon, tu vois, j'espère que tu vas pas bouffer des trucs tout court. Bon, ben, j'ai pas trop le choix. Tu fais quoi là? Tu vas manger une ration de survie, ouais. Tu vas tenir le coup, ça m'étonnerait. Faut que t'ailles dormir, le chauve. Je vais essayer de te faire dormir avant. Quelle heure il est là? 11h, c'est l'heure d'aller dormir, justement. C'est l'heure d'aller dormir. Grizzly, tu vas arrêter de miner pour le moment, il n'y a plus besoin. Ok. Est-ce qu'on a du toit ici? Intérieur 17 degrés. On est bien. Intérieur 3, ça passe encore. J'ai besoin de toute façon en tout premier lieu. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Je veux que tu nettoies ici, que tu nettoies ici, que tu nettoies ici. Que tu fasses ça après. Ouais, non, tu vas. Ouais, bah tant pis. Tu vas me faire ça. Et ça, et on va espérer que Jean, avant qu'il pique sa crise, aille au pieu. Va dormir, Jean. Va dormir, oui. Oui. Alors, il est fatigué comment? Il n'est pas fatigué beaucoup, mais il va rester au pieu le plus longtemps possible. On va rajouter une petite heure là. Pas vrai que je... Ah, il fait que 12, hein, tu vas me dire, mais... Ben là, je suis quand même... Il faut que je reste au-dessus de 8, mais il faudrait que je repasse au-dessus de 29, et là, je ne sais pas comment je vais y arriver. Une fois qu'on va... On va déjà faire à bouffer, hein, on verra après. Je vais mettre Libellule aussi en travail. Libellule, tu vas aussi repasser en 3. Voilà. Par contre, je veux pas que tu... mineur 800, c'est bon. Par contre, là, je veux pas que tu me fasses ça, ma belle. Voilà. Je veux pas que tu récoltes. C'est trop basse. Et on va essayer de... Il n'y a plus rien à miner. Là, il faudra nettoyer, mais on va faire ça juste après. Je vais d'abord planter ici. Allez, mec, plante. Alors, tu vas me faire quoi? Tu vas aller te reposer
Pas maintenant, malheureusement, non, oui, je ne peux pas te laisser te reposer maintenant. Est-ce que je peux déplacer ce truc? Je ne peux pas le déplacer. 65. On va. Ah, si, on peut le désinstaller. Qu'est-ce que je suis idiot? Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai été idiot? On va te positionner. Ouais, par là, c'est pas mal. J'aurais préféré te mettre un endroit où on est près des fleurs, dans tous les cas. Voilà, là. Ça serait parfait. On va faire comme ceci. Et donc, Grizzly, tu vas d'abord ça, suivant, semer, semer. Ah, l'ampoule là, il faudrait que je la déplace. Il faut que je te redéplace ici. Elle est toujours bonne. Là aussi, elle serait bonne. Oh, on va plutôt te mettre ici alors. Ouais, tu vas plutôt venir là. Allez, ma petite. Un terrure trop d'agré, je surveille hein, toujours. 5 plats. Zone, te donner un tout petit peu plus, c'est pas énorme, hein, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais que c'est pas énorme, mais c'est comme ça. C'est mieux que rien. Et puis tu vas me bouger ça. Tu fous du moins un, malheureusement, mais bon. J'ai besoin d'avoir un maximum de points. Alors en plus ici, ok, donc Grizzly, tu vas pas observer les nuages tout de suite. T'as fait ça, c'est bon. Tu me priorises. Tu fais d'abord la priorisation ici. Alors, on est à combien? De nouveau à descente. Je crois que je peux pas aller beaucoup plus haut que ça. Et au niveau de la propreté, tu es propre partout. On n'a rien de perdre. Ok. Donc on reste comme ceci pour le moment. Et après, maintenant qu'on ne peut plus rien faire d'autre, on va également demander à faire de la aplanir les surfaces. Alors aplanir les surfaces, on va commencer par les sols. Voilà. On va commencer avec ça déjà, c'est déjà pas mal de travail. Voilà, vas-y, tu fais ce que tu veux maintenant, on peut dire. Par contre, le chauve, il faut que tu restes au pieu si c'est possible. 82. Que je dois faire. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Pas mal de te balader autant que ça, mec. Méditation 12, tu vas stopper ça, tu vas faire autre chose. Par exemple, de la relaxation sociale avec les autres. Il faut que je fasse un lit ici.
Alors, est-ce que j'ai encore du métal? J'ai 65, j'ai assez pour faire un lit. On va mettre le lit assez loin. Pourquoi? Parce que quand on va devoir faire quelque chose par ici, ça va pas le réveiller s'il dort. À 5 cases, tu endors, tu réveilles quelqu'un quand tu passes à 5 cases de lui. Donc on va aller le mettre là-bas au bout. Et puis on demandera à notre ami Grizzly de nettoyer. Libellule, elle fait ça. Est-ce que j'ai besoin maintenant? Est-ce que j'ai vraiment besoin de recherche pour l'instant? Ou j'ai plus besoin de faire ceci? J'ai plus besoin de faire ceci. Libellule, je voudrais que tu me fasses. Ta recherche en 3. Ce qui va redescendre, normalement, tu vas devoir, à mon avis, tu vas faire ceci. Donc, tu vas faire quoi là? Tu vas aller porter du. Oui, ça, j'ai besoin qu'on me fasse aussi, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, dis-moi que tu me fais quelque chose qui serait bien. Bon, tu vas vite me ramener ça ici, ma belle. Tu vas me réamener ça ici. Tout de suite. Le problème, je ne pourrais pas réveiller les gens. Enfin, tu me fais ça tout de suite. Ensuite, celui-ci, on va le réinstaller là-bas. Dès qu'on peut. On fera ça après. Parce que ça va lui améliorer son confort. Et ça, j'ai besoin qu'on améliore le confort. J'ai besoin qu'on améliore le confort. Comment ça se fait qu'il fait si chaud que ça là-bas? Alors, oui, de nouveau 48 degrés. Et donc 48 degrés, de nouveau, on n'est qu'à on diminue. Randy, 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 Randy. Je vais pas me faire voir, hein. 2 jours, 7, 1 jour. Est-ce que le cactus repousse? Eh bien, il est évident que le cactus ne repousse pas. On n'aura jamais plus de bois que ce qu'on a maintenant. À moi d'aller en chercher, bien entendu. Comment faire tout ça? Libellule. Libellule. Bon, on va se faire un chapeau en plus. Mais je ne peux pas envoyer Libellule. Je serai obligé d'envoyer Grizzly. Et Grizzly, non. Bon, c'est pas grave, il prendra ça. Hein. Et il n'aime pas prendre ça en plus, Grizzly. Et zut, le chauve, il veut plus dormir. Ben oui, il a 100%. Je veux d'abord que tu me prennes du plaisir, mon ami. Alors, tes besoins en extérieur. Tu vas venir dehors. Et donc, tu viens ici. Tu dois gagner 3 petits points. Kishi, 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 top. Alors, je ne veux pas que tu recherches pour le moment. Je veux que tu fasses rien, si c'est possible. Normalement, tu es en loisir, mais tu as déjà 95%. Je sais comment je peux faire. Alors, on va créer une nouvelle zone. Voilà, tout simplement. Zone 1. On va mettre Jean dedans. On va
va mettre Jean dedans. Où est-ce que je suis? Moi, je ne sais même plus où je suis. Voilà, Jean, ben on va te mettre par ici, c'est le plus simple. Array, on va te mettre dans la zone 1. Et la zone 1, on va la mettre ici. Comme ça. Parce que ceci, ah, c'est là-bas. Donc, la zone 1. Voilà. Toi, tu viens là. Boum. Donc, logiquement, tu ne peux plus aller travailler. Et donc, tu attends sans rien faire. Tu ne veux même pas t'amuser. Tu veux pas t'amuser? Il veut pas s'amuser. Bon, tant pis. Tant pis, on va oublier ce qu'on a essayé de faire là. On va te remettre en non restreint, puis tu vas aller t'amuser là-bas. Ah, maintenant tu me fais de la relaxation. Bravo. Là, t'es pas doué, mec. Ah, voilà. Ouais. Il se fout de ma gueule là, hein, un petit peu. Hein? Tu peux quand même, oui. Hein, oui. Voilà, t'as fini. T'es déjà à 100%, c'est génial. Maintenant, tu vas travailler quelque chose qui te plaise. Le problème, c'est que t'es pas trop bon en extérieur. Bon, d'un autre côté, il fait. Comment ça se fait que t'es dans le noir? Il y a un plafond là. Bouge pas un peu, toi. Zone. Ah, t'étais dans le noir là. C'est con. C'est trop con. Très chaud. Moins 3, mais tu vas garder ton moins 3, j'ai pas trop le choix. Va faire quelque chose qui te plaît, mon ami. Va te faire quelque chose qui te plaît. Alors, ça, c'est le chauve. Voilà. Ça, c'est le chauve. Ça, c'est du prisonnier. Voilà. Grizzly. Ah, vous êtes partis là-bas, les petits gars. Et tu me ramènes 12 parce que tu veux supprimer un toit. Tu sais quoi? Si supprimer un toit, tu vas pas supprimer un toit, ma belle. Tu es là, tu restes là. Jean, le drone psychique est toujours là, mais tu as réussi à grimper à 29%, tu es génial.
33 degrés. 91%. On est mort, hein? Enfin, à moins qu'on tienne un peu le coup. Bon, comme de toute façon, j'aurai pas plus de bois. Je vais pas pouvoir gratter un peu trop de trucs. Une petite